Alors patron, j'espère que t'es content. Il a la carte. On va s'amuser un peu plus avec lui. Je te conseille de ne pas le sous-estimer. Alors, tu en as pensé quoi? Il est comme tu l'as décrit. En action, on dirait qu'il est possédé. Un peu comme toi. Je n'en attendais pas moins. Tu vois, je te l'avais dit, mais je le tuerai. Alors quoi, général Ivan? Plus de mains et plus de dignité non plus? Fais gaffe à toi, chaman! Dans la langue Sioux. Sioux signifie serpent. C'est un animal que l'on se doit de craindre. Snake est à moi maintenant! Quand je le reverrai, je m'occuperai de son cas. Non, ne le tue pas encore. Nous nous retrouverons, lui et moi, en combat. Toujours la même prédiction? Oui. Le corbeau de mon âme est assoiffé de son sang. D'armes dans ce coin. J'ai déjà programmé les nanomachines. Il ne pourra pas s'en servir. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Avez-vous oublié? C'est ici qu'ils gardent les ogives nucléaires. Vous les voyez? Oui. Il y a plein de boîtes empilées ici. Elles sont toutes remplies d'ogives? Oui. Ce sont des têtes nucléaires en pièces détachées. Et ils les laissent comme ça. C'est bien ce que disait le président Baker. Sacrée négligence. Un budget minable, c'est tout. Ils montrent leurs jolis minois aux médias, mais la réalité est tout autre. Nastasha en connaît plus que moi sur le sujet. Toutes ces ogives n'ont plus leur détonateur. Le mécanisme a été enlevé, donc aucune crainte d'explosion. Mais si les ogives sont endommagées, ils pourraient lâcher du plutonium, et là, bonjour les dégâts. Snake, n'ouvre pas le feu à cet étage. Snake, c'est un entrepôt de têtes nucléaires. Est-ce qu'elles sont toutes remplies d'ogives nucléaires? Oui, mais les détonateurs ont été retirés. Alors je n'ai pas de raison de craindre que cette ville devienne un tas de cendres fumantes. Mais si la carcasse a été endommagée, il peut y avoir des fuites de matériaux nucléaires. Attention à ne pas utiliser votre arme par ici.